On va peut-être nous attendre avec du délai, faut pas trop dire de niaiserie. Hein. De coup. Ah, ça a l'air d'ouvrir sur Twitch aussi. J'ai la pub. On est de retour apparemment. Ouais. Et un peu comme on prédisait, Retro décide de faire Eastern aussi. La chose qui fait qu'il perd pas trop de temps, c'est que comme il trouve ses grosses clés entre-temps, ça veut dire que quand il va revenir en Go Mode, il va juste pouvoir les faire d'un coup. La mauvaise chose, c'est qu'il va les tous les double types. Alors que là, c'était quand même vraiment pas compliqué à éviter en allant dans Ice. Oui, oh, c'est. L'arc était-il dans le premier coffre d'Arise? Il était dans Spike, je crois qu'il s'appelle Spike Chest. Ah, ok, ouais. Pas avant. Hein. Oui, faut un peu avancer, mais il est pas non plus très loin, il n'est pas enfoncé dans East Room. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, là, c'est. Vraiment pas une routine optimale. Je sais pas où on retrouve du coup. Bon, il a l'air d'être dans Ice. Ah non, il parle. Nice. On va aller faire 4 fiches. Pyramide 4 fiches. Je veux vraiment trouver ça samarien avant. Oh. Puis oui, là, ça resynchronise un tout petit peu, mais c'est une resynchro de 4 minutes. Fait que ça va être figé du côté de Kratos pendant 4 minutes. Ouais. Qu'est-ce qui peut rester à rétro à part. Je pense qu'après, il n'a plus trop de choix. Il reste Ice, activer sa flûte, puis. Hein. Il aura peut-être. Il aura sûrement son mariage avant. Mais... Du coup. J'espère juste qu'il rentre pas dans Myer avant de faire Checkerboard. Ça serait le comble, ça serait vraiment comme. Terrible. Serait très dur. Il a trouvé Ether d'ailleurs, je. Ouais, je me demandais où est-ce qu'il a trouvé, mais ça a tellement lagué à plein de fois que je m'étonne pas qu'on l'ait pas vu, mais. En fait, vu que Kratos a fait le côté droit de poche, je pense que la grosse clé était du côté droit. Et ça voudrait dire qu'il n'a pas fait le gros coffre, mais là, il n'avait pas besoin, donc peut-être Ether était dans le gros coffre de pod. Ouais. Ouais, là maintenant Kratos est dans TR, il sait qu'il est en Go Mode. Maintenant, c'est certain. Et donc, ouais, même si on a 10 minutes d'écart, je pense que Kratos a repassé devant. Je sais pas. Tu sais pas dire. Hein. Ouais. Rétro va trouver son arc et va plus ouvrir de coffre. Oh, c'est vrai que, ouais, avec 9 minutes, il va trouver son arc pour ouvrir le coffre, mais finir Eastern, c'est 2 minutes. Finir Pod, c'est un autre 2 minutes et demie, 3, ça fait 5. Faire Ice, même avec Icebreaker, c'est un monde 3. Puis Ice, il pourra pas le go mode, faut qu'il trouve son arc là. Il y a quand même 3-4 checks à faire ou qui sont relativement sur la route là, mais ça va lui prendre 3 minutes. Fait que ouais, il y en a pour un 8 minutes. Bon, Kratos a affaire Hera. En pur pur go mode, il peut juste Hera Pot puis aller tuer Moldorm. C'est quand même 1 minute et demie. Ouais, c'est serré. Kratos s'est Puis. retrouvé sa Silver dans le coffre de chambre, d'ailleurs. Mais là, plus que Rétro retarde ça se marie, puis plus il retarde Ice surtout, plus ça lui fait mal. Oh oui, il tente sa poudre maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire par la suite là?
là, je pense que... Ah, vu qu'il a pas l'air de vouloir aller dans Ice, il veut sûrement aller dans la région de Meyer. Ça va probablement être la région de Meyer. Il évite Ice comme la peste en ce moment. Je me croirais en, dans les sites de, je pense que c'était V27, que personne n'allait dans Ice. Ah, tu n'avais pas la côte en V27. C'est, tout le monde évitait Ice comme la peste. Il y avait pas beaucoup de... Est-ce que c'est V27 qu'il y avait pas beaucoup de progression dans les donjons? Les anciennes versions avaient un peu moins de balance, puis il y a eu certaines versions qui avaient beaucoup beaucoup de progression dans les donjons, puis d'autres qui avaient beaucoup beaucoup de progression dans l'Overworld. Ouais... quand même étonnant que Retro ait pris autant de retard par rapport à sa quête de se marier comme ça, alors que Kratos a quand même fait un aga supplémentaire. Hein. La morale, c'est vous pouvez y faire BJ et Ice semble être le meilleur choix possible à ce moment-là. Allez dans Ice. Retardez pas une quête de Somaria. Enfin, ouais. Une quête de Somaria. La différence de temps vaut pas la peine. Ah. Il vient de trouver sa Samaria, fait qu'il se précipite vers Ice, voilà. Ah. Ah non, c'est douloureux là. J'ai perdu tellement de temps là-dessus. Je pense qu'il sera pas très content de trouver son arc. Ouais. Là, on a 9 minutes de différence sur les restreams avec les problèmes de lag. On a... Retro doit finir 3 donjons avant d'aller en montagne. Puis c'est pratiquement un full clear de TR. Là. Kratos est... à la fin. Je pense que peut-être travailler avec Azure Skip, son premier était bien réussi. Oups. Le deuxième était un peu plus bas, mais le premier était joliment fait. Et là, il trouve. On va laisser tout le reste. Mais il n'y a plus rien qui peut l'aider. Il y a une botteur, il y a des silvers, il y a... Qu'est-ce qu'il peut vouloir de plus? Peut-être un décart supplémentaire, mais... Ah ça, faut il a pas vouloir ramasser la red mail dans Spectacular Rock. Ah oui, c'est vrai, ici, elle est où? Bon... On a une poudre en plus, on est bien équipé, hein. Pas à dire. Ouais. Donc, on va avoir un rapide combat contre un ex. À la moteur, ça... Ben, ça fond, hein? Ah, c'est agréable. Trainex est dans la poire. Il a travaillé son Trainex au marteau, tu me disais, mais... On n'aura plus besoin aujourd'hui. Ouais. On a travaillé son Trainex au marteau avec Falcon. On n'aura pas eu l'honneur de le voir. Oui, je suis d'accord avec toi, Poulpi. Le Retro qui a attendu pour Ice, là, il vient de récupérer son arc, je pense. On l'a pas vu, mais il est passé dans la salle où est-ce que c'était. Oui, puis là, il va directement. Il est en go mode, donc. Ça lui a fait faire une montée de montagne supplémentaire, un dip de Eastern supplémentaire, un dip de Pod supplémentaire, plus plusieurs checks d'Overworld. C'est massif. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Tout ça pour être capable de sauver 30-45 secondes dans Ice. Oh!
ça devait pas, on va voir. Même s'il est potentiellement en avance, c'est peut-être une petite affaire en avance, mais c'est difficile à dire en ce moment. Surtout avec la différence de lag. Là. Ça peut se faire en route dans GT. On verra. Et là, du côté de Kratos, c'est figé à cause de la synchro. Là, donc, on va essayer de resynchroniser un tout petit peu pour avoir un peu une meilleure idée d'où est-ce qu'ils vont être par rapport à GT. Ça risque de relaguer du côté de Reto, donc ça sera pas parfait, là, mais... Au moins, on pourra mieux évaluer. Yep. Ça va être plus facile d'évaluer. Alors, Reto vient de finir Ice en 1. Puis là, il s'en va à 1.19. Aller jusque dans le fond de pod, c'est au moins 2 minutes. Probablement 2 minutes et demie avec l'animation très longue qu'il y a dans le milieu. Non? 2-3, ouais, le temps de tuer le boss. Là. Ouais. Plus l'animation du cristal, hein, c'est probablement un bon 3 minutes, 3 minutes et demie. Encore, il n'y a pas la cutscene. Easter egg, ouais. Pareil, c'est quand même un bon 2 minutes et demie. Probablement. Ouais, ça. Bah, Eastern, c'est moins que Pod, ça, c'est sûr. Ouais. Pod, les salles sont quand même plus longues. Ouais, les deux doivent tourner autour de 2-3, mais entre 2 et 3 minutes, donc. Fait que, mine de rien, plus une montée de montagne qui est 1 minute et demie pour se rendre jusqu'à TR. Faut le rire de TR qui est. Parce qu'il faut quand même trouver les clés, c'est 5 minutes. C'est pas certain qu'ils soient encore devant. Non, non. Parce que là, en accumulant les petits trucs, là, je suis rendu à au moins 10 minutes. Puis si je rajoute 10 minutes à 1.19, ça le met à 1.29. Kratos à 1.27 est dans Hera, puis à 1.29, il est sorti. Hera. Ils doivent être, ouais, ils doivent être très, très proches. Ouais, ouais. Un peu de suspense. Yep. C'est bien, ça nous laissera plein de temps aussi pour expliquer le jeu de la grosse clé. Oui, oui, oui. Pendant que Retro essaye de trouver... Ben, il a déjà sa grosse clé, donc il doit juste... se rendre vers le boss, mais quand même. On va récupérer ses cœurs. On aime bien récupérer les cœurs ici pour avoir les sword beams pour activer la switch plus facilement. C'est un peu moins dérangeant depuis le quick swap quand même. Non, c'est quand même plus... Et... plus sympa au beam. Ouais. Pour répondre à Skerry, oui, on essaie de faire une synchro... Retro est en mode PowerPoint et à chaque fois qu'il est en mode PowerPoint, il prend du retard, puis il prend du retard. Donc là, on a essayé une resynchro, parce que c'était un tout petit peu plus fluide, mais là, c'est redevenu PowerPoint. Puis... c'est ça. Donc, c'est figé du côté de Kratos pour la synchro. Donc, éventuellement, ça va se remettre. Et on n'aura plus 11 minutes de différence, mais probablement encore un peu de différence, parce que c'est très difficile à aligner aujourd'hui. Non, ben, veut-on expliquer le jeu de la grosse clé déjà? Ou c'est prématuré? ouais, ça risque pas d'arriver avant 5 minutes, mais... 5-6 minutes, mais bon. Je vais préparer tranquillement le vote dans le chat. Et encore, je crois que ça sera mode le gérer plus. Ouais, c'est ça, donc je peux faire une prédiction comme modo. À la place. Oui, bien sûr. Puis là, comme on sait qu'il nous reste encore 5 minutes à le figer, on va laisser 5 minutes aux gens pour voter pour la grosse clé.
Du coup, pendant ce temps, moi, je vais vous expliquer le jeu. C'est dans Agility, dans la montée, on a 22 coffres. Et nous, on cherche la grosse clé pour monter. Donc, elle peut être dans ces 22 coffres. Et vous avez la chance de pouvoir tenter de prédire où elle se trouve. Donc, soit entre... Là, ici, j'ai mis... C'est pair et impair que j'ai mis. Pair et impair. Est-ce que ça sera un coffre pair? Est-ce que ça sera un coffre impair? Vous pouvez utiliser tous vos points de chaîne. Ou pas si vous voulez en garder, je sais pas pourquoi, mais. Ouais, on sait pas. Peut-être que vous voulez les collectionner, comme moi. Moi j'ai peut-être toujours le. J'en ai beaucoup, mais pas trop. Pour avoir encore plus de points. Ouais. Les classements de points de chaîne. Enfin. Prédictions sont lancées. Ouais. Faites-vous plaisir. Moi, j'y vais toujours sur celui qui a le moins. Espérez gagner plus. Ah, toujours. Mais si je mise autant, ça devient le plus. Mmh. Ah non, parce que je ne sais pas écrire. Retro vient de récupérer son cinquième cristal maintenant. Moi de mon côté, je voterai pas parce que si je vote, ben, ça, le système va me dire ben, vous savez, si vous votez, vous ne pouvez plus rentrer le résultat de la prédiction. Donc, je vais prendre mon mal en patience et continuer à ne pas voter sur LGFR. Gardez mes points pour moi. Bon, j'ai quand même 100. Ouais. Il a déjà sa grosse clé, donc il doit quand même se rendre jusqu'à Armos, ne pas manquer, espérer avoir son coup de kill. Là, plus je vois. Tu peux courir celle-là, tu pourrais, mais celle d'après avec les Stealthos, on va aussi quand même. Quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas. Ici, on n'est pas fait pour courir. Ouais. Désert est fait pour courir, mais c'est probablement volontaire. Il nous donne les bottes avant Désert, juste avant. Donc, ils veulent utiliser la nouvelle mécanique ouais, à fond. Pour répondre à Vergon, combien de temps prend TR? TR full clear est probablement 6 minutes. Je trouve comme ça. Une fois rentré, plus une minute et demie de montée. Je dirais qu'une fois que Retro va avoir tué Armos, il est à probablement 7 minutes et demie de Kratos. Donc, il va probablement tuer Armos autour de 1:25-30, quelque chose comme ça. Il se rajoute 7 minutes et demie. Ça met à 1:26 plus 7, ce qui fait 1:33. 1:33 pour finir TR. Ça veut dire, si c'est vraiment ça, que mon estimé n'est pas trop mauvais en ce moment, puis Kratos se finira vers 1:29, Kratos a 4 minutes d'avance. Mais Kratos qui est bien repassé devant, comme quoi. Ouais, comme quoi. Mais Retro un peu responsable. Hein, c'est... Ouais, ben là, je vais envoyer son choix d'éviter Ice, de full clear Thief Town, de faire tout l'Overworld pour espérer d'aller faire un dip de Pod, de faire un dip des Eastern. Je veux dire, il y en a accumulé sur quelque chose qui... Je veux bien, on veut trouver Samaria, on espère faire Ice en Go Mode, mais Ice est un cristal qu'il fallait faire de toute façon. J'ai dit à peu près vers 1:25-30, hein? Il battait Armos. Parce que c'est sûr qu'on fait des estimations de temps, c'est toujours difficile parce que c'est basé sur à peu près qu'est-ce qu'on fait perso.
On libère le personnage de Kratos. Et ouais. Donc là, il y a quand même 2 minutes de différence, mais c'est déjà moins pire. Puis bon, Kratos est en avance. Kratos est définitivement en avance à ce point-ci. Là. Ouais, là, oui. Savoir ce que vont faire les joueurs dans GT. Je sais pas. Alors, je crois que Retro privilégie la stratégie où on commence par Opro, mais s'il y a une petite clé, on fait la droite, puis ensuite ouais. On perd à gauche. Kratos, ouais, je sais pas. C'est ce que je me rappelle. Kratos, je sais pas. On en parlait aussi avant le stream. Dark Magician, pas Dark Magician. Dark Magician permet d'avoir 12 checks plus rapide. Par contre, si c'est dans les 10 derniers, c'est plus lent au global. Les autres stratégies en général font que le début est plus lent, mais au global, si on est obligé d'aller plus loin, comme Rando Room, ça arrive beaucoup plus vite. C'est juste un choix de est-ce qu'on optimise la première section de, ou la deuxième section. Les deux choix sont valides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce cas-ci. Ouais, après, c'est plus du cas par cas, analyser. Ouais. Voir ce que son adversaire va faire. Savoir si on veut faire comme son adversaire ou différemment de son adversaire. Ouais, parce que beaucoup de bons joueurs analysent leurs adversaires et les analysent bien. Un des très bons exemples de ça dans la communauté, Ninban, qui est le dernier qui est encore dans le tournoi principal, ce qui prend du temps pour regarder ses adversaires, puis analyser, puis pas faire comme ils font. Ouais, là, on voit plus la différence. C'est Retro qui commence tier à 1.27 versus Kratos qui est déjà dans GT à 1.30. C'est une bonne différence. Ça. Ouais. Ah, c'est une bonne question, ça, de Vergon. Qu'est-ce que t'en penses, Cox? Est-ce que Retro doit se sentir en retard en ayant comme fait autant de checks que ça pour sa Samaria? Est-ce qu'il peut pas savoir que Kratos a manqué son marteau? Est-ce qu'il gamble très haut? Je me sentirais en retard dans sa situation, ça c'est sûr, mais même, bah même très en retard parce qu'en plus, oui, c'est pas pour le marteau. Mais... Ouais. Ouais, je pense que là c'est une situation où ce serait bien de gamble Tyrone quand même. Je peux se tenter. Je sais pas si je le ferais pareil. Je pense que j'ai jamais gamble Tyrone, même en me sentant en retard. Mais parce que Kratos aurait pu se dire la même chose, il aurait pu se dire j'ai manqué le marteau, j'ai fait Aga pour rien, j'ai 4 minutes de retard. Ouais. Puis il l'a pas fait le gamble. Je sais que je l'ai déjà fait, mais c'était plus sur une plus sur des weekly où en fait, il y avait des joueurs qui avaient fini assez tardivement et avec le placement des objets, je m'étais dit c'est obligé qu'elle soit dans tes rooms parce que des objets venaient trop vite. Pour qu'ils mettent autant de temps à finir, donc ça veut bien payer. Ouais. J'avais plus de données pour m'adapter. Ouais. Et là, Kratos, qui a trouvé la grosse clé, a fait 6 checks à droite, 1 sur la torche 8-7, puis c'est le deuxième coffre, non, c'est les Stalfouf, donc 9, c'est un pair qui gagne. Yes. Est-ce que c'est ça que t'avais pris? J'avais mis un pair. Bon, ça s'est trouvé être celui où il y avait le plus de mise après que Fred mise, mais... Eh ouais. Donc, t'as gagné des points? T'as gagné des points? Je garde des points, je garde des points. Tranquillement, je... T'en es à combien maintenant, là? 142 000. Sans avoir parié une fois, je suis quand même à 127 000. Je suis pas super. Kratos qui va prendre la salle de sécurité. Ah,
que sur les directions cardinales ouais. KD. Même là aussi, j'ai le temps de savoir ce qu'il y a de... sous ses peaux. Apparemment, c'était le premier pari de Slapshot qui pariait tout sur Impair. Il a eu raison. Là, on va voir un gauntlet qui est quand même pas facile. Hein. C'est des salles, il y a des tapis roulants, il y a des bimos, il y a des salles fausses qui s'enfuient. Il y a de la glace. Ouah. Ouais, avoir un espoir que niveau game design tout se passerait bien quand tu dis tu viens d'avoir tes bots dans le désert, il y a des grandes lignes droites comme tu disais. Puis après ils ont inventé Motula et c'est sale et. Voilà. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Finalement. Ils ont inventé Cold Star aussi, c'est pas génial Cold Star. Ça, ils s'optimisent. Celui-là, on est un peu dépendant du tapis roulant, puis de est-ce qu'il va pas rester collé au pic, et puis est-ce que ça va pas être les dégâts vont pas être annulés. Surtout ce qui a fait une stratégie que certains aiment employer, c'est-à-dire attendre un tout petit peu dans la salle. Une fois qu'on est dans la salle précédente, l'anmo commence à se synchroniser. Donc si on attend un tout petit peu plus dans la salle, les trois l'anmo vont sortir en même temps, puis il y a moyen de placer les dégâts avec des spins sur tous en même temps. Donc je sais pas à quel point ça optimise, je dois avouer. Ou même si c'est juste. Ça dépend de ce que tu. Ouais. Comment tu te sens sur ton LADMO, puis t'es aussi un peu dépendant. Si tu le fais pas, t'es aussi un peu dépendant de la RNG de s'il est. Parce qu'idéalement, si tu le fais pas, c'est que t'espères faire des cycles rapides, toucher beaucoup de LADMO à coup de Fire Rod ou de spin, mais t'es pas certain de s'ils vont faire des sauts courts ou. Des sauts longs. Ouais. Alors que là, au moins, t'es certain de mettre un spin au 3. Donc, plus consistant, potentiellement plus lent, potentiellement plus rapide en fonction de qu'est-ce qui se passe. Et au moins, ça te fait un premier cycle moins soumis à la RNG. Pourquoi ça s'appelle le Gauntlet? Je pense que ça vient d'un autre jeu où est-ce que officiellement ça s'appelle le Gauntlet, puis que c'était la partie la plus difficile du jeu, puis ça fait que pour un paquet d'autres jeux, la partie la plus difficile du jeu s'appelle le Gauntlet, mais pas sûr de la validité de ce que je suis en train de dire. Ce qui va arriver sur Aga 2. Yep. Aga 2 qu'on doit toucher 6 fois avec des balles d'énergie. Donc il a trouvé des clones. Oh, joli triple. Ouais. Ah, encore. C'est un joli Aga 2. Ouais, ouais. Bon, Aga 2 qui aime aussi canceller des boules, s'ils arrivent trop proches les unes des autres, j'ai juste pris un dégât. On arrive sur le combat final. Il devrait pas être trop un problème vu l'équipement. Première phase, C6 slash. Deuxième phase, C6 slash. Ça se passe très vite en butter. C'est possible de le faire aussi deux fois en un cycle si on avait que la tempered, mais c'est un peu plus technique, c'est plus à travailler ça. Ouais, faut réussir à passer des doubles spins contre le trident, idéalement contre le mur dans la phase 2. Faut être un peu plus. C'est un peu plus difficile. À la botteur, je suis slash 6 fois. Voilà. Ah oui, c'est quand même une technique à travailler. Mais ça peut.
Après, je me demande si sur Twitch, quand t'as Esquivor, c'est vraiment intéressant parce que tu peux un peu contrôler où tu pourrais. Quand tu rallumes la torche, tu contrôles un peu où Ganon réapparaît. Si tu le fais réapparaître au milieu de la salle, éventuellement, ça permet de mettre le maximum d'être. Mais voilà. Ganon qui traverse le pont. Yup. Sur mon premier, j'ai pas le restline d'ouvrir. Oui, il finit premier. 1.38.14 officiellement. Je pense que on va amener les deux directement parce que Retro a fini entre temps. Mais comme c'est très difficile de commenter ce qui se passe du côté de l'écran de Retro ou de même apprécier son exécution, je pense qu'on va essayer d'avoir les deux. Essayer de faire ça. C'est intéressant qu'il a viré d'une façon que on ne sait pas. Qu'on ne se serait pas entendu entre eux. Ouais. L'erreur de Retro qui a pu compenser celle de Kratos. Ouais. Essayer d'avoir Kratos, je sais pas si le lien y a été envoyé. Attendre d'avoir les deux. Voilà, le système a un peu de mal à inviter tout le monde. On a Retro qui est dans la salle d'attente. On va attendre Kratos aussi. Nous avons les deux en même temps. Est-ce que tu sais si tous les textes sont personnalisés dans... Enfin, pas tous, mais par exemple, là, il y avait marqué Fungus for Life pour le vendeur de potions. Est-ce que... C'est un peu... Le piédestal, il est personnalisé. On peut avoir la formation du piédestal avec les crédits. Ouais. Mais là, ici, Archer Boy sows again. Est-ce que les gants... Il y a plusieurs messages qui sont personnalisés en fonction de c'est quoi l'objet qui est dessus. C'est parfois un peu plus discret que le piédestal, mais oui. Et Fortune Telling Kid, je pense qu'il soit stomisé aussi, lui. Les autres, apparemment, c'est la fortune, c'est pas le petit... celui qu'on n'a pas trouvé dans Wind Waker qui tient sa perle dans son lit. Bon, elle pas son nom une heure et demie plus tard. Et les deux sont maintenant là. On va les inviter à nous rejoindre. Remonter bientôt. Roulement de tambour. Triple boom sur la pad. Et GG à vous deux. Merci. GG. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'acide? J'aurais dû faire Ice avant.
En effet, il va faire Swampy Ice, il va être bien. Il va faire Swampy Ice, il va être bien. Il va pas faire Ice. Il va pas faire Ice. Il va faire Ice. Il va pas faire Ice. Mais non. Pourquoi t'as retardé Ice? Ah oui, mais je l'ai retardé. Or que j'aurais pu y aller depuis un bon moment. Hein. Bon, c'est pas grave, j'irai après. Et après, je vais faire pote, je vais faire East. On va aller faire Ice quand même. Et là, je trouve mon go mode. Allez, vas-y, on va le jeu. Moi, je l'ai fait en sortant de soi. Après un petit détour à la zone de Meyer. Donc, il m'a permis de trouver la Samaria dans Checkerboard Cave. J'ai vu, j'ai dit, oh cool, je vais pouvoir le faire plus rapide. Et toi, de ton côté, c'est autre chose qui te nuit. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu ce marteau? Ah, oh, il était là, le marteau! J'ai manqué de peu! J'ai manqué, j'ai comme... Hop! Oh, on va revenir plus tard. Je savais pas que le marteau était là, je l'ai pas vu. Ça m'est déjà arrivé. Si tu poses une bombe, ça peut te ramener sur les eaux peu profondes et tu peux remarcher normalement. Ah ouais? Ah. Bon, ça va pour la prochaine fois. Pour une prochaine fois, si besoin. Mm-hmm. Mais je le souhaite pas d'avoir encore besoin. Bon, C'est vrai que le marteau était vraiment mal placé. Ouais, ben, quand j'étais allé là, j'avais pas mes pams, ni l'arc, je pouvais pas vraiment aller ici là. Ça. Non, vu où étaient les arcs. Non, c'est impossible. Non, c'est vrai que ouais, je suis parti à la montagne et j'ai récupéré mes palons. Et c'est vrai qu'après, je suis parti directement chercher le marteau. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Puis, on a pas vu le marteau de ton côté. On savait pas que c'était le marteau là. Puis, on fait, hein, Rétro est parti de la montagne, pourquoi? Non, en fait, j'ai trouvé les palmes. C'est l'oncle qui m'a. Pas l'oncle, c'est le vieux qui m'a donné les palmes. Et comme je savais que le marteau était là-bas, bah, j'ai dit. Bah, avant de continuer la montagne, je vais chercher mon marteau, comme ça je peux faire la montagne, une bonne partie de la montagne avec Ah, voilà pourquoi. Voilà pourquoi quand j'ai fini, j'ai rejoint le restream, ils ont dit que t'as fait une montagne supplémentaire. Ouais. Bon, j'ai fait toute la montagne, j'ai vu l'armure, j'ai dit, elle est un petit peu trop loin pour la chercher, je l'ai laissé là. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi, Rétro est allé faire... Hookshot Cave et Super Bunny avant d'aller faire Ice. Ouais. T'as trouvé où, Ether? Ether... Je sais même plus où était Ether. C'est vrai, je l'ai pas, Ether. Apparemment, il était dans Hookshot Cave. Hookshot Cave. Il était Hookshot Cave, ah, ok. Parce que... Ben, ça aurait été la place que j'aurais été si Ether demandait Ether. Par contre, j'ai vu que t'as fini sans la demi-magie. Ouais, sans la demi-magie. Il était dans le coffre juste avant la petite clé. Les. Quatre clés. De terre. Ah! J'ai trouvé la clé, je suis parti. Il a fait la salle, ouais, je crois que t'as commencé par le premier coffre en haut, puis après, quand t'étais à la salle, t'as commencé par le bas. Et... Ouais. Puis j'ai trouvé la clé, je suis monté. Ouais. Non, je suis en train de récupérer le troisième. Bouclier dans son coffre. Ah. Ça, c'est ce qu'on n'a pas vu, mais le troisième bouclier était à sa place. Ah, ça veut dire que t'as trouvé un bouclier de plus que moi, parce que oui, mon deuxième bouclier était ce coffre. Ouais, bah, je pensais avoir une petite clé, je me suis dit, cool, comme ça, je fais pas les air bridge. Et là, non. Ça m'aurait servi. J'aurais pas mort comme un idiot dans les air bridge. Putain, j'ai pas mis la safety! Ouais, ça va, t'avais eu le temps de prendre la safety au moins, c'était. Ouais, ouais. Après le premier laser avec Star Hacker, ça faisait un peu plus peur, déjà. Mais je pense que j'aurais fait Ice avant. Oh, tu faisais Ice avant, t'étais franchement très en avance. Tu trouvais ton arc, tu full clearais pas de. Ici, tout de suite, tu trouvais ta flûte, probablement tu serais allé dans le coin de Meyer. Relativement vite après, puis. Mais c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi je suis allé faire ces deux-là alors que j'avais Ice que je pouvais finir c'est une bonne question. Je vais te la retourner. Et je le voyais, je me suis dit, il faut que j'aille faire Ice. Mais c'est pas possible.
En fait, plus ça allait, plus je m'éloignais, je pouvais aller. À cause de ça, j'ai perdu 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on a une bonne question dans le chat. Est-ce que le fait de manquer le marteau a influencé ton routine, Kratos? Je crois que oui, parce que, j'ai pas fait la montagne au complet. J'ai juste fait ce que je pouvais. Après, quand j'ai eu accès au Dark World, j'ai fait tout ce que je pouvais sans le marteau. J'ai dipé Pod. Après avoir trouvé la flèche, j'ai dit ok, je vais faire 4 fiches parce que je l'ai pas faite. Puis faire les checks de Zora River que j'ai manqué parce que j'ai banqué. Et quand j'ai vu mon marteau, j'étais comme ok. Ça a vraiment changé parce que je pensais que j'avais trouvé mon marteau. Oui, j'aurais pas pu finir Pod. Mais j'aurais pu. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de différent là-dedans. C'est difficile à prédire. Possiblement, tu serais pas allé dans Pod aussi vite, t'aurais pas trouvé ta sommarie aussi vite. Je sais pas, est-ce que ça t'aurait fait retarder Ice ou pas. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Le pire, je me disais, je vais pouvoir faire Ice, après je me suis rappelé. Non, je peux pas finir Ice, j'ai pas le marteau. Ouais. Ah, c'est ça le pire, c'est que moi je l'avais. J'avais tout ce qu'il fallait pour le finir. Et tu l'as retardé. Je l'ai retardé au maximum et j'aurais pas dû. Samaria fait pas gagner tant de temps que ça dans Ice. On était là, comme ça disait, tu sais, en NMG, c'est 15 secondes de différence. C'est le chiffre que j'avais vu. Ouais. Rando, c'est probablement un tout petit peu plus, mais vous avez probablement, c'est max 1 minute 15 de gain de temps. Même si j'avais pas fait le détour, j'étais prêt à faire le Ice Bun Jump. Au début, c'est ce que je pensais, IPBJ. En fait, j'attendais la Somaria. Je me suis dit, une fois que j'ai la Somaria, j'y vais. Puis je la trouve à checkerboard. Je suis et j'y vais. Heureusement, ça veut dire toute une chaîne de progression d'aller dans Pod, la flûte, d'aller chercher sa Somaria, d'aller dans Ice pour trouver un arc qui permettait de finir Pod. C'est un peu circulaire. Mm. Bah, le pire, c'est qu'en plus, j'ai hésité, quand j'ai trouvé la Somaria, à aller à terre pour après faire à Ice. Really? Qu'est-ce que tu espérais pouvoir faire pour trouver l'arc dans Tiar avant? Ouais. Oh. Pour moi, Ice, il n'y avait rien. Pour moi, il n'y avait rien. Ouais, mais je pense pas que j'aurais pris l'arc. Parce que sachant que j'aurais eu la Somaya et l'arc, j'aurais skip tous les coffres. Oui, t'aurais sûrement gommé. Ah, ce coffre, je sais pas. Même quand je veux pas l'ouvrir, la mémoire musculaire, elle me rattrape et je finis par l'ouvrir quand même. Il est devant toi, il est. Mais après, bon, oui, t'aurais eu le Silver, mais. Ouais, la montée à montagne pour faire TR, et sachant que t'avais encore Ice qui était complétable en bas. Bah, je voulais savoir absolument c'était quoi le médaillon. Parce que je me suis dit, si je dois chercher le médaillon, et quelque part. Puis après, quand j'ai vu que j'avais le médaillon déjà, j'ai fait bon. C'est bon. Ah, moi je l'ai gambolé. J'ai dit j'espère que c'est quick pendant que j'étais en train de monter. J'étais bien content quand j'ai vu que c'était quick. Ouais. Non mais c'est Ice. Hein. Ice il m'a mis dedans. Mais en tout cas, merci à vous deux de vous être prêtés au jeu du stream. Bonne chance pour la fin du tournoi mentor. Merci. On va inviter tout le monde à... J'ai mis les liens. Donc, allez vous suivre sur vos chaînes. Ils sont pas allés directement sur vos chaînes aujourd'hui, mais ici. Mais il y aura d'autres streams de votre part. On l'espère, du moins. Ouais, moi. Ouais. Puis je l'ai dit. Dire la même chose, un gros merci à Coxla et à Dark Wolf qui ont contribué de façon magnifique à ce stream et de les suivre aussi. Ils restreament régulièrement, contrairement à moi. Merci à toi aussi. Après, quand tu streams, c'est sur des longs créneaux. Oui, c'est ça. Je sais pas de quoi tu sous-entends, mais... Et merci beaucoup à toi aussi, Aaron. C'était...
super fun à commenter. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on envoie tout le monde se reposer? Vas-y, Kratos. Bon. Merci d'avoir assisté à notre course. Ça m'a fait plaisir. Puis, déjà. Merci. Puis, comme Railway que dit, hein, la solution dans Ice. Ouais, ouais. Yep. Et bah, merci à vous d'être d'avoir au stream ou avec un délai très très court. Ouais, c'était très beau. On a trouvé. Donc voilà, ouais. Merci à vous. Et, merci au tracker aussi. Travaille dans l'ombre. Et bah, à la prochaine. Sur ces sages paroles, on va souhaiter à tout le monde une bonne fin de soirée pour ceux qui sont en Amérique du Nord et une bonne nuit pour ceux, les courageux en Europe qui se couchent à 2h du matin. Tard. Quoi? Qui se couche à 2h du matin? Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.